Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. J'ai décidé tout simplement de vous raconter ma vie. Donc voilà, c'est une vidéo que je n'ai jamais fait sur ma chaîne et que je compte faire de temps en temps quand j'ai des choses à vous dire. Donc là je trouvais ça sympa de le faire maintenant au milieu de l'été pour vous parler justement de mon été, que ça soit en termes de cours, en termes de vidéos, voilà, ou tout simplement de ma vie à moi. Et voilà, moi j'adore raconter ma vie, donc j'espère que ça vous plaira. Dites-le moi en commentaire si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas. Et puis bah c'est parti. Donc premièrement, j'étais en vacances le 13 juillet. Donc ça fait 3 semaines que je suis en vacances au moment où vous verrez cette vidéo. Avant ça j'étais un mois en stage, donc à l'hôpital en mammographie. Voilà, donc je faisais des radios, des dessins quoi. Donc voilà, c'était un mois très chaud, donc caniculaire et tout, donc c'était un peu horrible. Mais bon voilà, c'était cool, mon équipe elle était cool. De toute façon, tout ce qui concerne mes études, les stages, etc., je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Je pense que je la ferai genre fin août, genre en mode back to school et tout. Par rapport bah déjà à mon bac S, organisation, la terminale, etc., parce qu'on me l'a demandé. Et aussi mes études, donc pour vous expliquer un peu mieux, parce que là je pense que vous allez rien comprendre. Donc voilà, j'étais en stage, ça s'est bien passé. Avant ça, j'étais en cours. Et donc j'ai passé mes partiels du deuxième semestre et bah, pendant mon stage j'ai su les résultats de ce deuxième semestre, donc au final bah, j'ai tout eu. Donc pareil, je vous expliquerai comment ça fonctionne, mais en gros voilà, il faut avoir 10 partout et dans toutes les matières, donc il y en a environ 10 des matières, je sais plus exactement, voire plus, ouais. Et donc bah, j'ai eu 10 partout, donc du coup je n'ai rien à rattraper à la rentrée, donc le premier samedi de la rentrée c'est rattrapage, donc j'ai rien à réviser ces vacances, donc je suis trop contente. Mais voilà, du coup j'ai tout validé cette année, donc en gros j'ai eu mon année si vous voulez, donc je suis trop contente. Donc je passe en deuxième année, à peu près toute ma classe a eu son année, donc voilà, on se retrouve le 2 septembre pour la rentrée. Yes, j'étais pas du tout active sur YouTube, je m'en excuse énormément. Et en fait, faut savoir que cette année, elle a été hyper dure pour moi. Je sais pas si c'est le fait d'avoir ma propre vie à gérer, genre mon appart, les courses, tout ça, genre tout avoir à gérer en même temps. Donc je sais pas si c'était les cours qui étaient vraiment trop compliqués pour moi, ou je sais pas vraiment, mais genre j'ai eu beaucoup de périodes où j'étais pas bien et tout. Et c'est vrai que j'avais tellement de choses à faire, j'étais tellement panique parce que j'arrivais pas à m'organiser. Du coup, bah faire des vidéos, ça me faisait perdre du temps. J'ai vraiment mis de côté YouTube à fond. Donc voilà, désolée. En tout cas, depuis que je suis en vacances, j'essaye vraiment de vous faire pas mal de vidéos. Donc là, j'avais prévu pendant ces vacances d'en faire une par semaine. Pour le moment, j'arrive à peu près. Et voilà, j'espère continuer dans cette lancée. Donc j'essaye de les sortir le dimanche en général. J'ai pas vraiment le jour. Moi, j'aime bien le dimanche, c'est un jour off pour tout le monde. Donc voilà, je pense les sortir le dimanche. Et du coup, voilà, si vous avez des idées, comme toujours, n'hésitez pas à me dire en commentaire parce que vraiment, je galère. Après, j'ai pris note de toutes les vidéos qu'on m'avait déjà dit de faire et je les ferai à un moment donné, c'est sûr que je les ferai. J'aimerais bien faire des routines aussi, mais pareil, ça prend un peu de temps. J'ai une routine de merde, donc je vais pas vous filmer ma routine du moment parce que voilà, je me bats à 14h. Je me couche à, je sais pas, 3h, c'est pas du tout ce que je fais en règle générale. Donc je vais essayer en août de faire des routines. Je vais faire du coup les vidéos sur les cours, tout ça. Enfin vous savez, l'organisation et tout, je vais essayer. Là je compte vous faire une vidéo sur mes séries Netflix préférées parce que j'en ai regardé énormément ces vacances, du coup comme j'avais rien à faire. Donc voilà, si je vais essayer de faire ça aussi, peut-être que ça peut vous intéresser. Je sais pas, moi perso j'adore trouver des nouvelles idées de séries, donc je regarde souvent ce genre de vidéos. Donc voilà, après je voulais aussi faire une vidéo playlist. J'aimerais vraiment faire des vidéos avec mon copain, mais il veut pas. Et sinon voilà, quand je partirai en vacances, je vous ferai sûrement des vidéos genre ce que j'emmène dans ma valise, mes indispensables pour partir en vacances, pour l'été, etc. Ensuite, en ce qui concerne bah, mes vacances personnelles, donc sans parler de YouTube. Donc là je vous ai dit, ça fait 3 semaines que je suis en vacances, clairement j'ai rien fait. Enfin voilà, en fait je bouge entre chez mon copain, chez moi et chez mes parents. Ouais, j'ai un peu 3 maisons, donc c'est un peu voilà. Donc après là mon copain il travaille, donc c'est un peu, enfin quand je suis ici on fait pas grand chose du coup parce qu'il dort toute la journée. Voilà, du coup je m'amuse, enfin je m'occupe un peu comme je peux. D'ailleurs j'aimerais énormément faire une vidéo journée dans ma peau, des vlogs genre quotidien un petit peu. Donc je pense que ces vacances, quand je fais des trucs intéressants, je vais essayer de vlogger parce que c'est le genre de vidéo que j'aime trop regarder et j'aime trop t'emporter les gens avec toi et tout. Donc voilà, donc peut-être que quand je ferai des trucs genre je sais pas, je sors voilà, ciné machin, peut-être je vous montrerai. À voir, dites-moi si ça vous intéresse. Je suis allée aussi à la piscine en Allemagne, à Titisee.
Je sais pas si vous connaissez, c'est Banane Paradise. C'était trop bien, j'étais avec mon frère, mon père, il y a plein de toboggans. Bref, j'aime trop ce genre de petit délire là en été, genre, enfin même tout le temps en fait. Et là, je compte aussi aller à Europa Park, donc les parcs d'attractions, voilà, les parcs d'attractions, parcs aquatiques, c'est trop ma vie, j'aime trop. Donc voilà, c'est des trucs trop cool à faire pendant les vacances. Sinon, en termes de vacances, vraiment au sens propre, je vais partir à Paris un week-end avec ma copine. C'est le week-end du 9, 10, 11, je crois, du vendredi au dimanche, donc on dort deux nuits sur Paris. On a pris un Airbnb, donc j'y vais en bus, en Flixbus. Donc voilà, parce que c'était trop cher les trains, même le Ouigo, c'est trop cher. Donc voilà, 6h30 dans le bus. Donc je vais trouver des occupations, mais voilà, c'est long. Et seule du coup, puisque ma copine elle m'attend directement sur place. Bref, et du coup voilà, je sais pas si je vous ferai un vlog de Paris ou quoi, mais en tout cas, si je vlog pas, je pourrais faire une vidéo bien évidemment où je vous dis ce qu'on a fait. De toute façon, je vous montrerai si je fais des achats. Et ensuite, je pars en vacances avec mon copain, forcément, mais on sait pas encore quand et on sait pas encore où. Vous allez me dire, mais en fait, on est début août, meuf, tu fais quoi? En fait, je vous explique pourquoi on n'a pas réservé avant. Déjà parce qu'on n'avait pas l'argent. Et en plus de ça, il y a pas mal de choses en dernière minute qui sont vraiment sympas, genre pas chères. Vous gagnez genre 100, 200 euros. Et franchement, c'était pas négligeable. Donc voilà, ça sera une des deux dernières semaines d'août. Et pour les destinations, on aimerait soit l'Espagne, Malaga, Majorque et tout, soit la Tunisie, Djerba et tout, soit le Maroc, Marrakech, Agadir, voilà, ce genre de petites destinations, franchement on aimerait grave. Bref, du coup on verra en fonction de, je pense, des offres, du moins cher et du plus sympathique, vous voyez, genre voilà, je vous verrai bien où je suis partie. Et ce qui est sûr, c'est quand je serai là-bas, je vloggerai. De toute façon, je mettrai des stories sur Insta et j'espérais vraiment 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 de faire des photos. C'est tout à ce qui concerne mes vacances. Après donc la rentrée, comme je reprends les cours, je serai de nouveau bien immergée par le travail, donc je vais essayer, promis, cette année j'ai vraiment envie de m'organiser. D'ailleurs je pense en faire une vidéo par rapport à mon organisation, parce que c'est vrai que quand tu rentres à 18h30 t'as plus trop le temps en fait, mais bon voilà, j'ai vraiment envie de bien faire, donc je ferai pas une vidéo toutes les semaines sur YouTube, mais je vais vraiment essayer d'en faire toutes les deux semaines, vraiment promis. Après, quand il y a les partiels, c'est toujours plus compliqué, donc voilà, je vais faire de mon mieux pour m'organiser par rapport à ça et pour retrouver une routine assez saine, donc aller au sport, en même temps travailler, pas prendre trop de retard et en même temps avoir le temps d'avoir quelques après-midi ou une journée le week-end pour faire que des vidéos. J'aimerais bien aussi vous faire des vidéos genre plus comme ça, genre où je parle juste avec vous d'un sujet, juste une vidéo où je me pose et je parle comme là je viens de le faire, mais genre sur un sujet précis qui pourrait vous intéresser, vous aider dans votre vie ou avoir mon avis sur quelque chose. N'hésitez pas à me le dire, moi j'aime trop parler, donc si je peux juste me poser et parler, déblayer mon sac, j'ai toujours quelque chose à dire, donc ça serait super pour moi. Avant de vous quitter, je voulais montrer deux petits achats que j'ai effectués récemment. Moi j'aime bien montrer ce que j'achète, donc j'espère que bah, ça vous plaît aussi que je vous montre des petits trucs comme ça. Donc le premier truc, c'est un cadeau de mon copain, enfin en gros il est allé à Carhartt, au outlet de Carhartt, à Weil am Rhein en Allemagne, c'est pas loin de chez moi, donc je sais pas si vous connaissez. Du coup il est allé, moi j'ai pas pu y aller, j'étais en Suisse avec ma mère et mon frère, on était dans des tipis, nous nous mis dans des tipis à même le sol avec des toiles araignées et des araignées au-dessus de ma tête alors que c'est ma phobie. Bref, super, mais c'était bien et c'était au lac de Neufchâtel en Suisse. Voilà, bref, comme ça vous savez toute ma vie. Il m'a pris un t-shirt lila et il est trop beau. Moi j'aime trop la couleur, je voulais trop un haut de cette couleur, je sais pas pourquoi, j'ai un petit kiff sur cette petite couleur en ce moment. Et c'est un M, donc comme ça il peut aussi le porter. Et puis il n'y avait pas plus petit. Et voilà, il est tout simple, mais je le trouve vraiment trop beau. Il coûte, je crois, 20 euros. Donc en vrai, je pense que ce genre de t-shirt ça coûte 30-40. Ensuite, je voulais vous parler d'une paire que j'ai achetée. Donc oui, encore. Je sais pas ce qui m'arrive en ce moment, mais faut que je me calme. Voilà, une paire que je voulais, que j'aimais pas au début. Et ensuite, je l'ai bien kiffée. Et je l'ai vu, je me suis dit bon go, et en fait je ne sais pas si je l'aime ou pas, donc comme ça ça me permettra d'avoir votre avis pour savoir si je la garde ou pas, si vous trouvez qu'elle est bien ou pas. Peut-être d'ici là je l'aurais gardée ou je l'aurais renvoyée, mais voilà, je suis mitigée. Donc c'est la N354, donc la Air Force One Type. Je l'ai pris en 37,5 puisque les Air Force One c'est la taille grand. Et dommage qu'il n'y avait pas de 37, parce qu'elle est encore un peu grande. Mais la taille en tout c'est 36,5, donc c'est un peu abusé, donc j'ai pris 37,5. De base je suis 38, hein. Donc la boîte elle est grave originale. Vous voyez, elle se présente comme ceci, donc vous avez forcément dû l'avoir passée sur les réseaux. Elle a été grave kiffée par pas mal de monde quand même. Elle est au prix de 140 euros. Moi je l'ai eu sur le vis-à-vis Aroma.
à 100€ parce qu'on avait des points de paire. Elle est trop originale. Moi j'adore les Air Force mais j'en ai jamais eu et je me suis dit c'est l'occasion de sauter le pas. Mais je ne sais pas si j'aime bien, je sais pas. La languette elle est trop bien, elle est pas rigide, elle est vraiment souple de ouf. Et elle est douce et elle est trop bien. Et l'intérieur est très joli, c'est comme les React, vous voyez c'est transparent. Franchement quand t'as l'habitude de mettre tes pieds dans une Air Max One et que tu passes à une Air Force One, ça fait mal aux pieds. C'est franchement déjà ça fait des grands pieds alors que c'est une demi-taille en dessous de ma taille. Et en plus ça fait mal aux pieds, c'est pas du tout confortable vraiment. Du coup voilà c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. D'en savoir un peu plus sur mon quotidien, ces vacances, YouTube, comment ça va se passer pour moi, comment j'envisage la chose, les cours et tout. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça je saurai si je refais ce genre de vidéo posée, blabla, où je raconte juste ma vie. Et aussi n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram que je mets ici, ou en barre d'infos. Parce que je pense que si j'ai de la force, vous voyez, ça me donnerait plus envie de mettre du contenu, de mettre des posts, de faire des stories et tout. N'hésitez pas à liker et puis comme toujours à vous abonner à ma chaîne si vous aimez bien mon contenu ou ma personnalité. Et voilà, pour ne rien louper de mes prochaines vidéos, activez la cloche. Et puis voilà, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.